Je tiens à porter une nouvelle vidéo pour vous, côté que nous allons apprendre ensemble des bagages que vous ne pouvez pas faire lors de vous trouver sur une table de réception du mariage ou bien capable d'une graduation, d'un baptême, d'une fête quelconque qui gagne un protocole là-dedans. À nous suivre ensemble. Bonjour, bonsoir avec tout le monde. Non, pas M. Koulikou. Bienvenue sur le canal Parola qui c'est 3 pour connexion. Un canal qui toujours informé ou qui toujours aidé ou et apprend des bagages dans la vie. Il y a une fois où on invite nous en fait, il y a un paquet de bagages que nous toujours fait, mais nous pas jamais rendre compte si ou pas bon. Je dis, on vient partager ensemble avec vous quelques bagages que ou pas doué fait, les que vous chita sous table ou n'en fait. Si on invite nous en réception de mariage, yon graduation, yon fête quelconque, et nous capable dit qu'il y a une forme protocolaire là-dedans donc mais qui ça qu'on pas doit faire si on travaille on invite en fait ou pas qu'il est arrivé à temps ou arrivé en retard pas courir rentrer tout chaud tout bouquet al chita dans place même si que ta place aurait été vide prend un petit temps et puis après ou va rentrer lors fin rentrer en dans salle de réception hein ou fin chita puis regarder en haut en bas parce que tout j'ai pral sous seulement rester avec toute sa foi ou et puis suivre maître de cérémonie. Là que vous commencez pour aller manger, mais ça vous doit faire avec ça ou pas doit faire. Mettez-vous la place sous cuisson et puis mettez main sous table. Poignet main, ce n'est pas coude main. Puis vos jambes mettez coude bras sous table. Il y a un peu de monde qui toujours mange dans un restaurant, dans un fait quelconque qui est en forme protocolaire, il y a toujours un mettre coude bras sous table. Mais n'a dit que ça n'est pas recommandé. Troisième bagaille que nous allons suivre, que nous ne devons pas faire, là nous avons fait une cérémonie qui est en forme protocolaire. Pas déposer chapeau, téléphone, valise ou bien lunettes sous table. Tout ça que vous avez dans la main, pas doué sous table. Couteau dans la main droite et puis fouchette dans la main gauche. Il y a un peu de monde qui n'a pas fait différence ça. Lorsque manger sous table, eh bien, il y a une façon que vous devez manger avec couvert. Il y a une façon que vous devez manger, il y a une façon que vous devez utiliser couvert. Tant que vous avez fait à servir tête li avant de commencer, quand vous avez touillé ou pas, vous devez prendre devant. Ça, ce n'est pas recommandable parce que vous avez une marche à suivre. Si vous quittez la table pour aller prendre un appel ou bien aller à la toilette, vous devez toujours dire excuse, les vous déplacer. À moun qui sont même table ensemble avec vous. Là on fait ça, c'est un moyen pour capable respecter forme protocolaire faite là ou bien cérémonie hein, pour moun qui sont côté ou pas garder au mal. Pas courir vider sel ou bien mettre sucre ou bien piment dans un bagage sans pas gêter goûter parce que li vraiment laid. Là on gâter manger là et puis ou quitter le sous table là. En plus moun moi toujours qu'on a suivre parfois les participer dans cérémonie ou bien dans une fête quelconque qui pas prend le temps pour capable goûter ou manger parce que les que ou beaucoup gens manger un plat ou pas doué eh bien prend en pile ou seulement capable goûter ou prend et puis après si ou remèle ou capable reprend encore pas lever coup de bras en l'air ni les wap couper en viande pour pas frapper voisin qui beaucoup côté ou là parce que ça vraiment fait l'aide là ou pas prendre précaution à moun qui beaucoup côté là. N'a continue avec la vidéo nous pour nous capable dire ou bien montrer tout ça qu'on doit faire et tout ça qu'on pas doit faire lors que vous retrouvez une cérémonie ou bien une fête qui a une forme protocolaire. Moulin bouchou fermé ni piga bouchou à febri tiam 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 parce que ça capable de déranger moun qui bon côté là. Pas parler pendant bouchou plein à manger. Si c'est à qu'on moun nous sorti ou bien la caille en famille ménage ou doit mettre manger dans bouchou ti calpatical pour qu'à à l'aise pour répondre à toutes questions qu'a posé yo. En cas où tu as un embarras, ou capable de mettre main devant bouche et puis ou parler ou bien répondre avec question yo posé. Mais dans le cas contraire, c'est toujours tu calme manger pour mettre dans bouche pour capable gagner tout assis pour répondre avec question que a posé. Pas mettre couvert sous nappe là fin utiliser yo. Mais seulement là fin manger. Mettez couvert sur assiette ou dans sens parallèle. Mes amis, pas mettez glace dans du vin. Ça n'est pas recommandé. Et puis tout, si vous avez une gazeuse qui a glace là-dedans, l'offre fin boire gazeuse là,
pas prendre ti morceau glace mettre dans bouche pour craser parce que ça il paraît laid. Plutôt ou prend manger et ou reprend manger encore. Tant que pour courir elle prend un pile bagaille, yon pile manger et pour quitter plus fort. Laisse ça, il fait laid et tout mon a plongé doué dessous. Tous les deux mains doué en les table là. Ou pas cap manger avec yon main et puis l'autre main en bas table là. Pas plaider bataille avec yon viande na assiette là côté que fouchette là avec cuillère, c'est un gros duel que oui. Si ou pas ka couper viande là ou bien difficulté pour couper viande là, ou capable quitter ça. Pas plaider bataille avec yon bagay qui collé dans dans sous table là. Plutôt dit excusez-moi et puis ou gérer ça dans toilette là. Parce que pendant nous mitan moun ou ta vle fouye douette ou nan bouchou, li pa fait belle. Deuxièmement, yon pile moun ki kon gen bagay ki kole nan dan yo, et puis yo toujou ap fè, ça, li pa recommandable. Et li pa protocolaire. Dernier ti conseil ke ma ba ou, avant que ou al nan cérémonie, avant que ou al nan fête ki gen forme protocolaire, toujou manje la kayou. Manje avant de moutonne. Et puis l'arrivée dans fête là pour pas courir sur tout manger et pour moun pa wè que ou te grand goût. Et deuxièmement, pour si que ou pas t'arriver joindre manger pour ça pas bon problème. Merci avec tout monde qui te prend ti moment ça peut être capable t'aider conseil ça, mais j'espère que en pile là de capable servir. N'a casser rendez-vous pour l'autre fois. Non pas c'est Koulikou, 3 pour connexion c'est canal Paola.